te adorons que nous sommes là encore une fois. C'est parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies que nous allons témoigner, Seigneur. It's because you did great things in our life that we are going to testify this morning. Je vais m'effacer à ce moment, Seigneur. I am going to take myself away. Pour que ta puissance se manifeste encore une fois. So that your power can manifest one more time. Saint-Esprit, parle. Holy Spirit, speak. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Au nom de Jésus, nous avons. In the name of Jesus, we so pray. Amen. 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 Je vais témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. I am going to testify to the marvelous things that God did into my life. Le Seigneur a mis la passion de la lecture de la Bible dans mon cœur. The Lord put the passion of reading the Bible into my heart. J'aime vraiment lire la Bible. I love to read the Bible. Un jour, j'étais sur mon lit. One day, I was on my bed. En train de lire la Bible. I was reading the Bible. Et soudainement, and all of a sudden, j'ai vu une vision. I have a vision. C'est comme si la télévision devant moi. It was like a screen, a TV screen in front of me. J'ai vu des hommes, des femmes de toutes couleurs. I saw women and men and from all sort of colors. Ils s'habillaient les habits très blancs, éclats vraiment. They were putting on some white clothes, very light, very white color. Tous étaient en blanc. All of it was white. Et ils étaient comme au ciel. And they were like in the heaven. Le ciel c'était bleu. The heaven was the sky was blue. Et leurs habits étaient très éclats. And their clothes were very very shiny. Ce qui m'a touché c'était leur visage. What touched me was their faces. Parce que parfois nous parlons la paix, mais je pense que nous avons difficile de voir l'image qui a vraiment la paix. Sometimes we talk about peace, but we never imagine what peace really look like. Vraiment, ils avaient la paix. They really had peace, and the faces. Leur visage reflétait vraiment la paix. And their faces was reflecting peace. Et j'ai vu que chacun d'eux portait une corde. And I saw that each one of them was wearing a chain. Donc ils avaient une corde à la main. A rope. Et puis ils jetaient cette corde. And they were throwing that rope. Et mes yeux ont suivi là où la corde allait. And my eye followed where the rope was falling. Et la corde est tombée ici sur la terre là où nous vivons. And the rope went down on earth where we live. Et j'ai regardé sur la terre, personne ne remarquait qu'il y avait des cordes qui tombaient d'en haut. And I was looking and I saw that nobody was paying attention that ropes were falling from the sky. Et ils parlaient et personne ne pouvait même pas écouter ce qu'ils disaient. And they were talking and people couldn't understand and couldn't hear what they were saying. Même moi je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Even me myself couldn't understand what they were saying. Mais peu de gens quand même arrivèrent à voir le cordes qui descendait. But few people were able to see the ropes that were falling down. Et quand ils s'approchaient de la corde. And when they go closer to the ropes. Et c'est comme ça que la voix pouvait être écoutée. And in that way, they could hear the voices that were coming from the rope. Alors ils encourageaient la personne à prendre la corde. And they were encouraging the person to take the rope. Et quand la personne hésitait, il commençait à témoigner. And when the person was hesitant, they were testifying. Et quand ils témoignaient vraiment, ils disaient comment est-ce qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus. And when they were testifying, they were just saying why, how they were bought by the blood of Jesus. Et comment tout le monde doit monter pour vivre là où ils sont parce que c'est une belle vie. And then they were testifying that how everybody needed to ascend to live with God because it was a better life. En tout cas, tout le monde était impressionné et prenait la corde. And everybody was impressed and everybody was grabbing the ropes. Et quand la personne commençait, quand la personne touchait la corde, and every time the person will reach to the rope, ce sont les gens d'en haut qui le poussent.
And there was the people up there that were pulling them up. Pousse la personne pour que ça, la personne. And the people up there were pulling the person that has grabbed the rope. Soudainement quand la personne monte, all of a sudden once the person is up there, no, quand la personne est en train de monter, when the person entre, is ascending, entre la terre et quelques between the heaven, between the quelque earth, part en haut, between the earth and in the middle, prior for them reaching the heaven, I guess. Quelque créature. There were some creatures. Vilain créature. There were some ugly creatures. Avec le feu dans leur bouche. And with fire sortait in their mouth. De pas où. They were coming out from commencé nowhere. À attaquer la personne. And they were attacking the commencé person. À attaquer la they personne. Were attacking the person. Et la personne, si la personne se détache de la corde. And if the person would get away from the rope. Il meurt dans l'espace. They would die in the space. Certains avaient tellement peur. Some of them were so afraid. Qu'ils demandaient aux gens du ciel. And they were asking de the le faire retourner en bas. They were asking the people from heaven to bring mais them back down. Mais les gens du ciel les encourageaient. But the people of the heaven mais ils criaient, je veux rentrer en bas, je ne veux plus monter en bas. They keep screaming, we want to come down, I want to come down, I don't want to go up. Certains ont retourné en bas. Some of them came down. Peu qui étaient encouragés. Only the ones that were courageous restaient attachés à la corde. They were clinging to the rope et montaient jusqu'à arriver au ciel. And they were going up to the heaven. Le feu de ces démons, le feu de cette force de ténèbres, the fire of those devils n'arrivait jamais à toucher la personne qui était attachée à la corde. The person that was holding the rope were not attacked by those fire from the devil. Et quand la personne arrivait là-haut, and when the person get up there, directement était transformé comme ceux qui étaient là. They were transformed. Et il avait la joie. There. And there were il peace, avait la fête. There were joy. There were feels. Everybody was happy. Et voici la vision que j'avais. And that's the vision that I saw. Je demande à Dieu. I asked God. Qu'est-ce que cela signifie? What that mean? Le Seigneur me dit. And the Lord said to me. Écris cette vision. Write this vision. Parce que pour mon peuple. It's for my people. J'avais écrit la vision. I wrote the ça vision. Ça n'a même pas pris une page sur un papier. It didn't take a page on the paper. Et j'ai mis cette vision placé quelque part dans mes affaires. And I put this vision on the side. Et j'ai continué avec ma vie. And I continue with my life. Et après avoir la vision, après avoir vu la vision, after seeing that vision, les choses commençaient à changer dans ma maison. Lot of things start changing in my house. J'avais perdu mon travail. I lost my job. Comme ça. Just like that. Et hier, j'étais même là-bas. Tous mes collègues sont toujours là-bas. And I was over there yesterday and all my co-workers were there. J'avais perdu mon travail. I lost my job. Et mon mari avait un business. My husband has a business. Tout commençait à ne pas aller. All the business started to go downhill. Il a perdu aussi le business. He lost his business as well. Je ne savais pas quoi faire. I didn't know what to do. J'ai commencé à faire les affaires. I started doing business. Je voyage, les gens savent que j'étais au Brésil. I travel, I go to Brazil. Je rentre. I come back. Ça ne marche pas. It still is not working. Ah, j'ai dit, oh, le Brésil ne va pas, je vais faire l'Europe. I said, the Brazil is not the one, I'm going to Europe. J'ai fait toutes les démarches pour aller à l'Europe. I did everything I could to go to Europe. J'arrive à l'aéroport. I go to the airport. On me dit, madame, tu ne voyages pas. They tell me, you can't go. J'étais avec votre pasteur. I was with pastor. On doit rentrer à la maison. We have to go back home. Tu vas chercher le visa. Go get the visa. Je vais chercher le visa. I went to get the visa. Sur la route pour aller chercher le visa. On the road going to get the visa. On me vole tout. Les passeports. Everything is stolen, tout, my passport, tout, tout, tout. Everything. Maintenant, là, j'ai dit, bon, pas de commerce. I say, okay, no more business. Pas de travail. No job. Mon mari est là. My husband is here. Maintenant, le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? I say, God, what are you saying? Rien, pas de réponse. No answer. Maintenant, je me suis dit, and I said, si il est Dieu, il doit parler. If it's God, he needs to talk. Hallelujah. J'ai dit, s'il veut que je meure, je vais mourir.
If you want me to die, I'm going to die. J'ai dit à mon mari, je vais me déplacer. I told my husband, I'm gonna je vais pleurer trois jours devant le Seigneur. I'm gonna cry je ne vais pas manger. Je vais pleurer parler. I'm just gonna listen to him. Parce qu'il est Dieu qui a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Because he's God and he did a lot of miracles in my life. Les médecins ont dit que mon mari ne me donnerait pas les enfants. The doctor said that my husband is not going to give me children. Mais le Dieu l'a dit, il va te donner les enfants. But the Lord said he's going to give you children. 9 ans sans enfant, Dieu m'a donné 3. Amen. 9 years without children, God gave me 3 children. Amen. Amen. Dieu là, il est vivant, il parle et il est présent. God is a living God, he speaks and he is there. Ici, le juge de l'immigration a dit que la famille Moussa, vous n'aurez pas de papiers, vous allez rentrer chez vous. The, over here in the US, the immigration judge said that you will not get any papers, you are going to be deported. Mon Dieu a déplacé ce juge, amen, notre qui m'a donné les papiers. Alléluia. Another judge that gave me the papers. Hallelujah. 9 ans après, j'ai eu l'enfant. 7 ans après, j'ai eu les papiers. 9 years after, I have the children. And then 7 years after, I have my papers. Je connais mon Dieu. I know my God. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé ma famille, je suis allée. I left my house, I left my family, I went. Je suis allée dans la maison d'un ami, je dis, je n'ai pas l'argent pour aller dans un hôtel ou payer quelque part pour faire la retraite. I went to one of my friends, I didn't have no money to go anywhere else to pay for a retreat. Maintenant tu peux me donner une chambre, je ne vais pas te déranger. 3 jours, je serai toujours avec Dieu. Just give me one of your room, 3 days, I'm not going to bother you, I'll be with the Lord. Le premier jour que j'ai mis mes pieds dans cette chambre, the first day that I set foot in this bedroom, la présence de Dieu m'a rempli. The presence of the Lord filled Alleluia. Me up. Je ne pouvais pas parler. I couldn't speak. Tout ce qui était dans mon cœur, everything that was in my heart, j'ai fait sortir. I was taking it out. Mes frères, il faut savoir pleurer devant Dieu. My brothers, you need to know how to savoir ouvrir le cœur devant Dieu. You need to know how to open your heart in front of the Lord. Tu peux te confier devant un homme, mais tu peux confier into a person, but they will laugh at you. Mais jamais Dieu. But never the Lord. Il m'a couvert de sa présence. He covered me with his presence. Il m'a couvert de sa paix. He covered me with peace. Le premier jour, c'était seulement la consolation, il n'a rien dit. The first day, it was only consolation, he didn't say anything. Mais le deuxième jour, but the second day, le Seigneur me dit, the Lord told me, qu'est-ce que tu as fait de la vision que je t'avais donnée? What did you do with the vision that I gave you? Il a dit, Seigneur, je n'ai pas compris, j'ai mis quelque part. I said, Lord, I didn't understand the vision, I put it on the side. Il dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour mon peuple. I told you, it's not for you, it was for your people, for my people. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas compris. I said, Lord, I didn't understand. Il dit que c'est moi qui te l'ai donné. He said, I gave it to you. Lève-toi maintenant. Get up. Tu travailles à partir de maintenant pour moi. You are going to work for me today, from now. Tu vas écrire un livre pour mon peuple. You are going to write a book for my people. Et j'ai dit, en quelle langue je vais écrire ce livre? And I asked him, in what language would I write this book? Il m'a dit, tu es en Amérique, tu vas écrire en anglais. He said, you live in America, you are going to write in English. Je n'ai jamais fait un cours d'anglais, je suis comme vous ici. I never went to do any type of English classes, I'm just like mon anglais malade comme tout le monde. My English is not really great. Mais Dieu m'a dit, tu vas écrire en anglais. But the Lord told me, you are going to write in English. J'ai dit, Seigneur, je peux écrire en français, traduire en anglais. I know. I said, Lord, I can write in French and be translated in English. He said, no. Je vais être ton professeur d'anglais. I said, I'll be your teacher of English. Et tu vas écrire pour mon peuple. And you're going to write for my people. Jesus. Hallelujah. C'est un challenge, comme on dit en anglais. C'était un combat, je sais. Un défi. Mais c'est Dieu qui a parlé. But the Lord spoke. Je connais sa voix. I know his voice. Je connais qu'il a parlé. I know that he talked. J'ai voulu fuir dans les commerces et partout chercher par mes propres moyens. I was trying to run away, doing business, finding on my own. Il a même obligé un voleur de venir voler pour ne pas que je continue à perdre mon temps. He even sent a thief to come and steal everything from me so that I do not continue doing what I was doing. J'ai obéi à l'Éternel. I obeyed to the Lord.
Mais je ne savais pas comment écrire un livre. And I didn't know how to write a book. Je ne savais pas comment une page d'une vision. I don't know how a page, a one page vision. Peut se tourner en un livre. Can change into a book. Alléluia. Alléluia. Il n'y a quelqu'un qui peut le faire. Only God can do it. Je n'avais pas l'argent pour publier un livre. I didn't have no money to publish a book. Lui-même, il a provu miraculeusement. He himself provided miraculously. Un jour, je me suis réveillée, mon compte était rempli d'argent pour publier ce livre. One day, I woke up, my je n'ai pas was, travaillé. My was ce n'est pas ma faute. I did the work. Alléluia. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, obéis. Il ne peut pas donner une vision sans provision. Amen. Et quand j'ai commencé à écrire, and when I started writing the book, si tu lis ce livre et tu me vois, tu ne vas rien recevoir. You never receive anything. Moi-même, j'étudie ce livre comme si ce n'est pas moi qui l'ai écrit.